frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Quel que soit côté où vous regardez, soit sur écran télévision, devant internet, devant computer, nous voulons saluer vous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Non, moi c'est Pasteur Steve. Nous comptons pour nous inviter vous à garder avec nos programmes frères et sœurs Christ capable. Comme d'habitude, nous avons une portion de l'écriture que nous avons choisi pour nous lire ensemble. Et bien avant que nous débutions le programme, non? Nous avons invité pour lire avec nos portions ça. Et il va sur l'écran télévision. Et si vous avez une Bible, prenez-le avec nous. Et nous allons lire ensemble. Et tout de suite après, chers amis, nous allons aussi aller devant le trône de la grâce. Matthieu chapitre 25. Les versets 32 et 33, c'est ça que nous avons choisi pour nous lire ensemble. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Amen. Nous allons aller ensemble devant le trône de la grâce. Chers amis, nous avons demandé au bois aller avec nous, avec révérence et avec respect. Nous allons prier pour notre pays d'Haïti. Nous allons prier pour les gouvernements établis, les missionnaires et toutes les organisations de secours. Nous allons aussi prier les uns pour les autres, sans oublier notre programme, Frères et Sœurs Christ Capable. Allons prier ensemble. Adorable Père Céleste, nous infiniment reconnaissants, Seigneur, pour les grâces que tu as accordées nous pour nous traverser une si bonne semaine. Nous disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci pour la respiration et l'être. Seigneur, aucun danger, aucun accident, pas tes sous route nous. Et gagne nous, Seigneur, t'es ouais, et qui t'a couru ici et là, et qui t'es victime, Seigneur. Mais nous autres, t'es plein soin. Nous disons merci. Et nous demandons dans un moment ça, on va aider chacun de nous, Seigneur, qui réunit ensemble autour de ce programme. Nous demandons, on va bénir. Bénis, Seigneur, pays nous d'Haïti. Bénis les gouvernements établis, Seigneur. Nous demandons qu'on va aider missionnaires. Nous demandons, Seigneur, qu'on va tourner le regard vers le monde entier. Oh Seigneur, secourir, Seigneur Dieu, ça qui en a besoin. Il y a un pile qui démunit, nous prions afin qu'on soit capable d'aider, oh Seigneur. Nous demandons que grâce soit capable de diriger chef gouvernement, yo, afin que décision, yo, oh Seigneur, capable de guider. Par vous-même. Ils ont besoin de secours, Seigneur. Nous demandons qu'on va aider les soldats. Yo. Nous connaissons les fidèles. Bénis les pasteurs, les églises évangéliques, les chrétiens, Seigneur. Ça va lutter, capter l'avènement du Fils de l'homme. Nous demandons qu'on va aider yo, afin que nous soyons capables de protéger de ce qui a passé dans le monde. C'est la grâce que nous implorons par Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance et la gloire. Dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Amen. Encore une fois, chers amis, nous souhaitons bienvenue dans le programme Frères et Sœurs Christ Capable. Nous comptons pour chacun de vous qui choisit pour avec nous semaine. Et nous comptons pour ce événement qui déjà prêt, lié ensemble avec nous là tout. Et avec aussi d'autres membres de l'équipe. Nous avons de ce événement qui j'en ai, qui j'en ai passé semaine. Ah, moi très bien passé. Nous te passons une bonne semaine dans les mains de Dieu. Oui. Et son privilège pour nous capables de retrouver les amis et nous profiter de l'occasion ça pour nous capables de saluer. Oui, chaque semaine, nous toujours préparés pour nous capables de faire une causerie ensemble et sur des sujets qui nous trouvaient bien intéressants. Et nous avons demandé aux semaines qui ça que tu préparé pour nous.
Oui, ce maintenant, nous va parler d'un sujet. C'est un sujet d'un rapport où un internaute t'a présenté la semaine dernière. Dans le rapport, ça, il voulait mettre en relief en le pays d'Haïti face à deux autres pays européens. Quelques amis qui sont au courant du rapport, ça, voulaient entendre des commentaires ou même qui sont pensés. Et je vais lire le rapport, même Jean que vous avez présenté. Ok, très bien, allez-y. Il dit comme ça, la Finlande a l'économie la plus stable dans le monde entier aujourd'hui. Et il y a moins de 20 églises dans la Finlande. La Suisse a la seconde économie la plus stable dans le monde entier. Elle compte moins de 30 églises. Le Danemark est la troisième économie la plus stable au monde. Il y compte seulement environ 23 églises. Ces pays sont considérés comme comptant le plus grand nombre d'athées. Néanmoins, ils sont bénis. Venez en Haïti, il y a plus de 2000 églises dans 5 régions seulement, ce qui est 100 fois plus grand que la Suisse tout entière. Nous avons plus d'églises que les écoles et les hôpitaux combinés. Plus de pasteurs que de docteurs. Tout le monde est né de nouveau. Tout le monde est couvert du sang de Jésus. Tout le monde est rempli de l'Esprit. On a continué toujours à rapport. Il dit, cependant, aucune de ces prétentions ne reflète l'élévation morale qu'on espère dans une société. Nous sommes parmi les plus paresseux, les plus trompeurs, les plus corrompus, les plus hypocrites, les plus haineux qui existent sur la planète. Aujourd'hui, avec tout notre Jésus et l'Esprit Saint, notre peuple a besoin de faire la distinction entre la religion et la stupidité, ou entre spiritualité et les traditions. Bon, alors, vous trouvez que c'est bien triste pour nous entendre tout ça. Moi seulement souhaiter que même ça qui fait rapport là, que rapporteur là, il n'est pas vraiment confus de ça que il présentait. Mais c'est seulement que l'État prend les choses dans leur pleine réalité. Non, pas aller parler de ça. Et nous demander, peut-être qu'il y a un peu de monde qui est en lire rapport ça tout sur Internet. Et il y a comme on dit, il y a un peu de monde qui a l'étendu. Qui commentaire nous avons fait de ça. Première question que nous avons posée, est-ce qu'on est capable de comparer Finlande avec Haïti? Bon, ou bien d'autres pays comme le Danemark, etc. Bon, moi t'as dit, il n'est pas comparable. Nous pas capable de comparer Haïti avec pays Finlande ou bien Danemark, etc. Et nous pas le dire pour qui ça? Premièrement, il est bon pour nous noter tout d'abord que Haïti, bien que l'été prend indépendance depuis 1804, mais il est toujours demeuré le pays le plus sous-développé, le pays le plus pauvre de l'hémisphère. Et lorsque nous apprenons Finlande, par exemple, que avec laquelle l'État voulait comparer Haïti, nous avons dit tout que Finlande l'été prend indépendance tout de la Russie en 1917, et ligué en superficie, tendez bien, de 338,424 km², et population, tendez bien, ligué 10,847,312 habitants. Et tendez bien, ça, c'est pigozin, GDP, ou compte qui ça, GDP à livre dit, c'est gross domestic product. Et produit domestique li en gros. Donc, Kounia qui est élevé à 239,662 billion US dollars. Et famille par capita. Famille li par per capita. Donc, li élevé à 43,545 US dollars. Donc, nous avons dit que alors, sans que nous ne pas aller en détail pour Baou, pour faire comparaison entre Finlande avec Haïti, donc,
li pa comparable. Oui, ça montre nous, d'après le rapport qu'on fait là, li montre nous que comparaison l'état santé économique pays. Oui, oui, alors ça nous dit, li prouve état santé économique et social pays Finlande. Parce que yon pays qui est aussi fort, qui est aussi solide dans la production, li seulement prouve comment tout habitant li yo occupé dans le travail. Et on songe bien, le travail seul élève l'homme à la dignité. Dernièrement, moi j'ai lu un rapport qui dit que remittances are the lifeblood of the Haitian economy. Économie. Donc, nous vivons nos temps côté vraiment Haïti est paralysé sur tous les points. Et il était triste pour nous joindre un rapport que plus de 20% revenu pays d'Haïti, li vini de moun qui a travaillé à l'étranger, qui a voyé 50, 60, 95, 100, etc., 1000 dollars. Donc, frère Fanel, qui yon mab nan programme Frère Crise Capable, t'a expliqué nous ça très bien. Donc, pour montrer que ça, c'est source économie pays d'Haïti. Donc, si l'agence a yon pas rentré dans une journée, donc, c'est comme si ça c'est grave en pile. Mm-hmm. Et ça, c'est grave. En fin de compte, nous sommes capables de dire que théorie, que nous avons plus d'église, plus de pasteurs, tout le monde est né de nouveau. Mm-hmm. Cependant, nous constatons plus de trompeurs, plus de paresseux, etc. Bon, well, donc nous t'as dit que pas grand rien qui nous vaut sur le soleil. Mm-hmm. Lorsque c'est ça, nous t'es souhaité que rapporteur là, il prend ça dans la réalité. Parce que ça va montrer un rien de nouveau. Et au contraire, la Bible était annoncée, nous, ça. Et sans, avant même que nous arrivions dans ça, la Bible était annoncée en ce qui a trait à Mounsayo. Et plus de pasteurs, plus d'églises, plus de. Etc. Moun qui a trompé Moun, etc. Donc, mais nous jouons que tout à l'heure, nous te disons, lorsque un pays, lorsque un peuple, tout le monde occupé à travail. Donc, ça veut dire que chaque monde a un sens de dignité. Mm-hmm. Parce que au travail, pays a produit. Donc, lorsque le peuple n'a pas gagné rien à faire, il n'a pas gagné aucun espoir, donc il est sujet à n'importe quoi pour être capable de survivre. Et donc, c'est ça qui arrivait dans le pays d'Haïti. Nous jouons que nous te disons que la Bible était annoncé ça. Parce que l'idée dit, nous va connaître des temps difficiles. Mm-hmm. Des temps difficiles. Et ça, ce n'est pas seulement en Haïti. Donc, vous êtes capable de joindre donc, Facebook, par exemple. C'était un réseau social. Donc, qui tagué pour les, comme nous l'y indiqué, les Facebook, côté que nous réunis pour parler. Mais je dis à vous joindre que. Yo utilisé li pour toutes sortes de choses. Gien yeah. Pile monde k'ap trompé moun là-dedans, gien monde qui gien 5 6 40 avec différents visages et puis donc qui prend contact avec ou mais depuis ou commencé parler donc yo cherche un moyen quand même pour yo prendre en main. Mm-hmm. Pour yo prendre en main. Et nous joignent que c'est la Bible te dit nous va connaître des temps difficiles. Parce que les hommes va plus égoïste, va plus ami de l'argent, yo va trompeur, yo va pharaon, yo va tout bagay ça yo. Et nous joignons que c'est ça qui a privé. Nous, d'après nous, nous sommes pasteur tout. Nous t'as souhaité que tout le monde qui pasteur te recevoir appel de Dieu pour yo venir dans le pastorat. Et mais ça pas, c'est pas comme ça ça y est aujourd'hui. Hein? Et c'est pas aujourd'hui hein, seulement ça. Depuis d'un mais, temps. Et monde qui fait rapport à conseil de maladie pas considéré parce que li m'pa croire parce qu'on pays gain plus. M'pa croire Haïti gain plus pasteur tout. Bon, alors non pas plus de pasteur, oui, plus non, d'église là, m'pa croire c'est Haïti. Comme nous t'ai dit tout à l'heure, nous prend rapport à Jean que li présenté a. Yeah. Mais non pas vérifier rien dans ça que il dit a pour t'a dit que est-ce que tel bagage ou tel bagage pas. Mais ça que nous voulons faire remarquer c'est que c'est vrai parce que le yon moun li ta pote non pasteur parce que li pa li gen droit pas chrétien du tout et nous te dit tout à l'heure que yo utilisé toute bagaille comme si pas Haïti seulement mais dans le monde entier côté
Donc, on joint que la Bible dit des hommes qui se font passer pour des juifs, mais qui ne le sont pas. Donc, en pile, le monde qui rentre, qu'on y est là, non, il prend non bon Dieu en vain. Parce qu'on songe, nous te gagnons un programme, nous t'avons le fait, ce yon monde qui t'a abordé, non? Donc, pour le monde de l'aumône, pour le monde de la charité. Mais il prend non bon Dieu, non Jésus, mettez devant, juste pour lui capable de bluffer. Parce que il y a un peu le monde qui prend non bon Dieu en vain. Parce que c'est ça nous voulons faire connaître, c'est pas parce que il y a un pile l'église qui dit qu'il y a un pile chrétien. C'est pas parce que il y a un pile le monde qui dit que c'est pasteur et puis qui même chrétien. Pas dit que les pasteurs vrai, mais qui même chrétien. Mais cependant, nous joignons que la Bible était annoncée que nous va connaître des temps difficiles côté bagay sa yo va amplifier davantage. Côté que moun nan va l'église mais pas jamais converti. Donc li pasteur li pote non pasteur li pas jamais ko converti. Mais ça pas étonnant parce que la Bible était annoncée non tout ça. Yeah, so nous te seulement les amis yo tande rapport. Rapport mais les nous juger c'est pas un bagage que nous approuver parce que base rapport il pas naturellement gagne en pile bagage que les tris pour tendre parce que rejoindre que vraiment et le regard de Haïti il pas comme ça lorsqu'on va parler de 20 ans 25 ans passé rejoindre que dans condition que il est connait là il a aggravé plus il pas comme ça il pas comme ça. Donc, il y a des choses qui étaient meilleures en Haïti, donc 25 ans, 30 ans passés. Mais cependant, les choses viennent tomber dans une situation côté peuple-là, les livrer à toutes sortes de choses. Sans la grâce de Dieu, sans la crainte de bon Dieu, les gens sont prêts pour faire toute bagaille et les utiliser tous les moyens possibles pour être capable de survivre. Et cependant, les gens qui connaissent bon Dieu, il va mourir, mais avec dignité. Et moi, je crois que la Bible dit que c'est dans David, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça veut dire que les gens qui connaissent bon Dieu, il va d'accord pour le souffrir à cause le nom du Seigneur, à cause bon Dieu. Et bon Dieu, il a pris soin, même quand il a dû mourir, mais il a mouru avec la foi. Avec la foi. Donc, nous comptons nous arriver là, chers amis, et nous allons arrêter là, et nous allons continuer à prier, et c'est vraiment triste pour tant de choses pareilles, mais moi, je voulais dire que ça n'a pas troublé, que ça n'a pas étonné. Et chanter que nous pourrions aller offrir au Kounye là, les chanter pour une petite jeune haïtienne, qui est Rebecca, et elle va chanter Bon Dieu au sans limite. Pas seulement tant de musique là, mais tant de paroles que livlé, messages que livlé, donc fait passer dans la musique là. Donc après, nous allons retourner encore dans le programme Frères et Sœurs Christ Capable. À tout à l'heure. Tellement ou pas limité.
Amen. Amen. Donc, chers amis, vous avez suivi le programme. Frères et sœurs, Christ capable. Dans le moment, ça nous content pour nous partager aussi une nouvelle pour vous. Et nouvelle avec vous. Et pour ça, nous allons joindre avec Frère Fanel et qui va porter de bonnes nouvelles pour partager avec les amis. Programme Frères et Sœurs, Christ capable. Donc, Frère Fanel, comment ça va? Et qui ça qu'on peut pour partager avec nous ce matin? Salut, pasteur. Mesdames, messieurs, nous saluons. Nous disons bienvenue à l'information pour aujourd'hui. Point qui domine l'actualité, 242 maisons pour des familles dans la zone Terrier Rouge dans le pays d'Haïti, dont de 4 millions de dollars américains pour aider pour la sécurité alimentaire dans le pays d'Haïti. Et troisième point, n'a pas n'a développé pour ce séminaire contre la corruption dans le pays d'Haïti. C'est point ça avec l'autre, nous allons développer pour. Tout d'abord, on a parlé dans la zone Terrier Rouge dans le pays d'Haïti, côté que il y a 242 familles qui n'ont qu'un content parce que le programme qui agence qui est responsable de la construction de maisons dans le pays d'Haïti, qui est le EPPLS, eh bien, ils sont délivrés clés tout neuf à bail. Environ 242 familles maisons qui construit pour aider familles ça qui est un problème maison dans le pays d'Haïti. N'abdou que maison ça a construit par un don de BID qui c'est Banque Interaméricaine de Développement et Food for the Poor qui c'est une organisation internationale qui travaille dans le pays d'Haïti. N'abdou que chaque maison ça chaque case ça yo construit avec deux chambres à coucher. Yo gen la dan yon toilette moderne, yo gen yon salle d'attente, yo gen galerie et puis yo gen yon cuisine et ensuite yo gen électricité 24 sur 24 qui produit par avec panneau solaire qui placé sous do kay sa. Alors nous souhaitons que après plus projet de ce genre capable construire dans le pays d'Haïti. L'autre nouvelle encore n'a do USAID qui c'est agence interaméricaine de développement. Li fait saute fait un don de 4 millions de dollars à pays d'Haïti pour aider dans affaires sécurité alimentaire. N'a dit que pays d'Haïti est classé 3e parmi pays qui a plus problème sécurité alimentaire. Nous connaissons que assez souvent nous frappé par désastres naturels, nous frappé par cyclones etc. qui détruit, qui dévaste produits alimentaires ou bien encore agriculture. Et puis ensuite nous gain l'autre effet encore qui causait que des problèmes sécurité alimentaire. Alors l'agence a c'est pour aider dans le domaine sécurité alimentaire dans le pays d'Haïti. Ruben Diallo qui s'est chargé d'affaires américaines pour l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti, eh bien les complémenter non seulement le gouvernement pays d'Haïti mais les complémenter également et organisation qui est les Food for the Poor qui a travaillé ou bien encore organisation qui est les World Food Organization qui deux ou même qui a aidé pour pays d'Haïti capable joindre plus sécurité alimentaire. Nous souhaitons que effectivement il capable aider dans domaine agriculture surtout permettre que pays d'Haïti capable grand monde dans domaine agriculture dans pays d'Haïti. L'autre information encore n'a du vendredi qui s'est passé là dans hôtel Marriott dans Port-au-Prince. Il y a un séminaire qui débutait pour avec magistrats et l'autre élu locaux dans zone l'ouest pays d'Haïti côté que séminaire ça objectif c'est pour impliquer élus locaux impliquer magistrats pour combattre ça les corruptions dans pays d'Haïti. Nous connaissons que la corruption c'est un problème qui cause en pile dommage à pays d'Haïti qui empêche pays à développer. Alors séminaire ça c'est un séminaire côté que yo engagé impliqué monde qui élu pour capable en d'emblée impliquer dans affaires corruption pour du moins combattre la corruption dans pays d'Haïti. Alors nous souhaitons que les capable porter fruit et que effectivement corruption capable diminuer dans pays d'Haïti. L'autre nouvelle encore l'homme d'affaires breton qui est Harry Breton, qui est ancien candidat à la présidence également, eh bien, il saute font une déclaration côté que il demandait à ce que le gouvernement haïtien prenne une décision côté que il a décrété
en 17 octobre comme journée de réconciliation nationale. 17 octobre, nous connaissons que c'est date, c'est que nous commémorons comme date la mort de Saline, Jean-Jacques Saline, qui c'est papa nation haïtienne. Non? Et nous connaissons que chaque fois qu'il y a 17 octobre, surtout dans le dernier temps, ça a toujours gagné en pile des blousages dans le pays d'Haïti. C'est, au lieu qu'il y ait un moment côté que les Haïtiens ont uni pour gagner la paix, pour parler du progrès du pays d'Haïti, mais de préférence, c'est chirépite, c'est un conflit qui existait entre non seulement groupements politiques, mais également entre citoyens. Alors, homme d'affaires, ça, il a encouragé à ce que, eh bien, nous avons de préférence, l'État haïtien a de préférence décrété journée ça comme une journée de réconciliation nationale. Mesdames, Messieurs, cela nous était avec information pour aujourd'hui. Nous sommes bien contents du fait que vous avez écouté, vous avez suivi. Nous souhaitons que vous passez une très bonne semaine et à la semaine prochaine pour plus d'informations sur le pays d'Haïti et également sur l'information internationale. C'était Fanel Merville qui t'a informé. Merci. Amen. Donc, nous sommes contents avec la portion ça. Et nous espérons que chacun de vous-même est content. Ça, c'était Fanel Merville qui t'a informé. Et dans le programme Frères et Sœurs, Christ Capable. Morceau qui va faire suite dans le programme, non? Et c'est une église qui est dans la biche. Je bah, connais si vous songez qui côté la biche. Yes, c'est dans le sud d'Haïti, il n'est pas trop loin de Tobek, entre les cas et Tobek. Nous avons la biche. Et puis, c'est l'église Baptiste dans la biche qui pourra chanter pour nos cougnes là. Nous avons demandé des amis pour suivre avec nous. Et dans le morceau, ça.
Amen. Donc ça, c'est l'église La Biche qui t'a chanté dans 78e convention MEBSH en Haïti. Donc ça, c'est les qui est placé dans Simon et Bergeau. Donc si on a parlé de 78, donc moins chanté dans la convention là déjà, moins quitté Haïti pendant que j'étais dans peut-être 14 ans dans la zone, 14 ans, moins quitté au CAI. Donc ça veut dire, moins t'es capable de participer dans 12e, 13e, 14e convention, donc dans la mission ça. Et comme jeune Timoun, moi t'ai chanté tout là-dedans, c'est pas même building non. Parce que c'est nouveau building que on bâti, mais moi t'ai participé dans convention, peut-être 12e à 14e et convention dans le ça. Et c'est bien, on t'a fêté 78e et convention dans le moment et nous content pour nous te partager ensemble avec vous. Et chers amis, moi t'a voulu dire que ou toujours capable de garder le programme. Frère Zé Chris capable, ou même qui dans Waterbury, ou même qui dans Ansonia, Shelton, ou même qui Bridgeport, ou même qui Stanford, Norwalk, ou même qui New York, dans Spring Valley, ou capable de garder le programme. Frère Zé Chris capable, et ou même qui sur Internet tout le temps, donc ou capable de garder li dans YouTube, ou capable de garder li dans Facebook. Et nous attendons là au fin de garder le programme. Non? Donc, pour faire aussi signe de vie, donc pour relayer nous, ou bien email nous, ou bien une façon quand même d'entrer en contact ensemble avec nous pour nous capables de connaître ou garder le programme ou c'est un ami de programme, frères et sœurs, Christ capable. Donc, nous comptons mes adresses là. Donc, vous capable toujours écrire programme, frères et sœurs, Christ capable. Et écris-nous et fais-nous connaître que vous là ensemble avec nous dans le programme Frères et Sœurs Christ capable. Donc nous avons demandé au Kounye là pour prendre chaise baou et nous pour aller chiter ensemble pour nous capables continuer à étudier la parole de Dieu. Nous avons une dernière musique que nous va offrir au donc on va content avec lui tout mais dans le moment ça nous voulons continuer avec portion que nous avons étudié la semaine dernière et c'était dans Matthieu chapitre 23 et les versets 32 et 33. C'est ça que nous te lis ensemble et nous pourrons aller et nous pourrons aller continuer avec portion ça. Nous allons vous poursuivre avec nous sur écran télévision. Amen. Matthieu chapitre 25, disons versets 32 et 33. Il dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Devant le Seigneur Jésus, il séparera les uns d'avec les autres. Ça, c'est le Seigneur qui va faire ça. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Amen. Ou te suivre avec nous. La semaine dernière, nous n'avons pas retourné sur l'introduction, nous, dans la portion 1, mais nous voulons continuer avec lui. Et sous question ça, est-ce que il y a un bagage spécial et un bagage signifiant entre le côté droit et le côté gauche du Seigneur Jésus-Christ? Et il y a un bagage spécial là-dedans. Nous souhaitons que vous ayez une notion là-dedans et nous allons continuer. Nous allons poursuivre pour nous dire que le côté ou la main droite du Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement un symbole de force, mais c'est aussi un symbole d'honneur. Ce n'est pas seulement un symbole de force, mais c'est un symbole d'honneur. Notez bien que la Bible dit que joie va venir côté Seigneur. L'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il va chita et il va faire séparation brebis li yo. Il va faire séparation
troupeau li, troupeau ava réuni devant li. Et même j'ai avec un berger, li connaît brebis yo et li connaît bouc yo. Et les agneaux, les brebis et les boucs, c'est deux yo semblé, mais c'est deux bêtes qui différent yon de l'autre. Et gen yon bagay spécial. Donc entre l'agneau et le bouc. Donc on y a là, il dit même j'ai avec berger qui va séparer deux bêtes sa yo ensemble, il va mettre brebis yo à sa droite et il va mettre bouc yo à sa gauche. Donc il dit que nous disons que pour qui ça et qui ça ça signifie d'être placé au côté droit et qui ça ça signifie d'être placé au côté gauche. Et nous disons que le côté droit n'est pas seulement d'après ça la Bible enseigne non un symbole de force, mais c'est un symbole d'honneur, c'est une place d'honneur lié. Dans Psaume 20 verset 7, la Bible dit: je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Et nous allons dans le Nouveau Testament, nous sommes capables de dire que les trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc, y ont rapporté les mêmes paroles à l'égard de Jésus-Christ sur la question de « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?» La Bible dit que Jésus répondit: « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis où ? À la droite de la puissance de Dieu. » Le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et l'apôtre Paul, au Colossiens 3, verset 1er, lui dit: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ah! Qui côté ou ta remè joue une place dans jou ça? Au côté droit du Seigneur ou bien au côté gauche? À songez bien, nous te disons que lorsque le Seigneur t'a mouru à Golgotha pendant sa mort, la Bible dit qu'il était pendu entre deux brigands. Te gen yon qui était à sa droite et l'autre à sa gauche. La Bible dit que dans le même moment, au même instant, dans deux a, te gen yon qui t'est sauvé. C'est ça qui t'est trouvé li au côté droit du Seigneur. Li t'est sauvé. Donc qui côté ou t'a remayé? La Bible dit que c'est pas ou même. Alors si ou gen choix pour faire, donc nous pral dire qui Jean ko li capable trop tard pour pourtant c'est dans jour ça pour pral choisir parce que en pile de ou t'a dit moi ou t'a remé aller ou t'a remé placer au côté droit du Seigneur. Mais moi je veux dire ou pas qu'attendre dernier jour pour faire choix ça. Et moi pral dire donc qui Jean ko capable choisir dès maintenant qui côté que vous voulez placer au côté droit ou bien au côté gauche du Seigneur. La Bible dit toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra, c'est lui qui mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Mais qui Jean sous qui ça li basé pour faire désignation ça? Sous qui ça le Seigneur basé donc pour placer une portion à sa droite. Mais sous qui ça le placer? D'après ce que nous joignons dans la Bible, au verset 35, dans Matthieu 25, il dit à Saïo qui était à sa droite. À Saïo qui était à sa droite, à Saïo qui l'avait placé à sa droite,
Li di yo, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Mais raison. Mais base là, mais sous qui critère que li basé pour placer groupe ça à sa droite? Parce que tu travailles pour ça. Tu travailles pour ça. Qui ça a été fait? Yo te bay manje, yo te moun sa ou ki te soif, yo te bay yo de l'eau yo boue, moun sa ou ki te étranger, donc yo te recueilli yo. Alors le Seigneur dit, vous m'avez visité, vous m'avez donné à boire, vous m'avez recueilli, vous m'avez vêtu, vous m'avez visité, et j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Donc on y a, yo répond pour yo dit Seigneur, qui l'a noté ou malade? Qui l'a noté ou grand goût? Qui l'a noté ou soif? Nous te prenons soin. Et le Seigneur maintenant de dire, chers amis, à chaque fois que vous faites ça pour yon, dans le pipiti, dans le royaume, nan. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Qui sont ces frères? La Bible dit que Jésus, il était dans certains lieux, était gagné maman li avec frère Lio et frère petit papa, petite maman yo, qui était venu pour elle. Et il était entouré de une grande foule. Et il dit, Seigneur, mes frères, ou avec maman, ou de yon, attendez, vle ouer. Et il tourne vers yon pour le dire, moun qui frem, moun qui maman, c'est moun sa ou qui a fait volonté, papa, moun qui tende parole là, et qui mette en pratique. Ah ah! Ça veut dire pour moun sa yo qui a tendé la parole de Dieu. Moun sa yo qui ensemble avec ou dans combat. Parce que qui moun qui a tendé la parole de Dieu? C'est moun qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et tout à l'heure, Anodab dit, c'est pas toutes les fois que parce que ou c'est chrétien, ou pape connaît douleur, ou pape connaît grand goût, ou pape connaît souffrance, ou pape connaît nudité, ou pape connaît problème, ou pape connaît yo. Ou ap konnen yo. Kapab, c'est pas nous tous qui endure même problème, qui connaît même situation yo. Gen l'autre qui capable, gen vie qui plus allégée que l'autre. Tandis que nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais cependant, bon Dieu permet que gen yon qui gen plus aller mieux que l'autre. Li permet gen yon, mais nous tous bénis parce que nous si on te suivent nous avant et nan causeria nous te joignent que reporter là il dit que moun sa yo yo athée, ce sont des athées, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui pas porter aucun regard à ça que bon Dieu dit, mais li dit yo béni. Alors moi ta vle ou konnen ki sa bénédiction ayé, qui sa bénédiction ayé. Parce que gen moun ki capable nan nudité, gen moun ki capable dans la pauvreté corporelle, physique, mais cependant ils sont bénis. Parce que bénédiction ça dépend de qui ça ou qu'on est lié. Ou capable béni. Ou capable béni. Donc qu'on est là, ou même qui gen ou aller mieux plus que l'autre, bon Dieu lui permet que ou gagner lui afin qu'on soit capable de mettre lui au service des autres. Afin qu'on soit capable de secourir les autres. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne pas tourner le dos vers les gens qui ont demandé. Et là où secourir les gens, puis là où sonner trompette, fait qu'on est que
ou te aide moun sa ou te aide li. Parce que bon Dieu qui dans lieu secret, c'est lui-même qui pral bénir. Li bénir pour ça afin qu'on capable aider les autres. Et c'est pour ça que ou pral placé au côté droit du Seigneur parce que ou te visité ou te aidé moun sa yo. Ou pas de jambe moi Jésus chita bola ou y a demandé. Non, ou pas de jambe moi Jésus dans prison. Non, ou pas de jambe moi Jésus l'hôpital. Non. Ou pas Jean Moëli ça l'hôpital. Mais la Bible dit que lui-même de sa propre bouche, lui dit à chaque fois qu'on fait lui pour yonan pipiti l'un des plus petits de ses, de mes frères. Donc ça veut dire moun c'est qui croit en moi. Moun c'est qui servir, moun c'est qui suivre moi, mais qui pas même opportunité physique matérielle ensemble avec eux, mais aussi qui sont des enfants de Dieu. Qui sauver même gens avec ou mais qui capable pas gagner même valeur matérielle ensemble avec ou. Mais bon Dieu permet qu'on gagne li pas parce que on supérieur li pas parce que bon Dieu remon plus mais li permet qu'on gagne li parce que li vle ou aider l'autre là li vle ou mettre li connaît que on va mettre li au service des autres. Donc, kounye la, li bénion. Et lorsqu'on fait ça, le Seigneur dit nan jou ça, li va séparer troupo yo, li va mettre au bon côté droit li, ki yon place de force, yon place d'honneur. Et li va dire oui, gade ça, li va dire ou. Li va dire ou, et nan verse, il répond aussi, Seigneur, et le Seigneur dit, puisque j'étais étranger, vous m'avez recueilli. Il dit, moi t'es tenu, on t'es ben mangé, on t'es prend soin moi. Il dit, vini kounye la, prend possession royaume nan. Vini prend possession royaume nan. Parce qu'on fidèle, ou fidèle. Vini prend possession royaume nan. Ensuite, il tourne à l'autre groupe là. Le Seigneur te béni aux mêmes gens. Le Seigneur te bay aux mêmes possibilités. Ya. Yo te gen même et façon pour yo ta aider l'autre yo, mais yo te fermé cœur yo. Yo te tourné le dos vers ça qui était dans le besoin. Lorsque bon Dieu te béni yo, au lieu de servir frère yo, sœur yo, mais yo en orgueil yo. Et le Seigneur nan jou ça, li place yo à son côté gauche. Et regardez non, il tourne vers yo, il dit puisque me t'es grand goût, pas t'es prend soin puisque donc moi t'es tourné ou pas t'es vêtu moi t'es dans prison pas de visiter et puis yo dit bon qui là nous t'es ouais ou grand goût non pas de visiter ou là. Il dit au même bagaille, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Il dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Chers amis, c'est qu'on y a pour exercer justice que bon Dieu, maintenant ou même, si vous voulez placer à son côté gauche, à son côté droit, c'est qu'on y a là pour faire ça. Et si vous faites, le Seigneur est fidèle et juste pour récompenser vous. Parce que parole li c'est oui et amen. Nous prale kite autant de à la banza qui va chanter c'est la vie. Et c'est un bel morceau à la banza li va chanter ensemble avec nous et nous mande on va suivre parce que tout de suite après nous prale terminer avec programme nan pour semaine ça. Oh,
OK. Donc, chers amis, nous arrivons dans juste moment côté que nous devons dire au revoir et nous espérons que au pape manqué pour suivre le programme, non? Et sur Internet, sur computer ou n'importe là que vous voulez, vous êtes capable de joindre nous, comme nous disons sur Facebook ou bien sur YouTube, pendant que vous regardez aussi sur Channel Télévision. Bon, nous espérons que bon Dieu pral bénir ou et accorder ou une très bonne semaine et li pral les protéger ou. C'est pour le Seigneur protéger ou. C'est pour prendre disposition pour travailler dès maintenant d'après sa bon Dieu li recommandé pour capable joindre place ou au côté droit du Seigneur Jésus-Christ et puis pour capable héritier avec lui donc royaume béni. Mais faut que c'est depuis qu'on y est là. Nous ranger causer non. Donc sous parole ça nous dit au revoir, que le Seigneur vous bénisse et vous garde jusqu'à la prochaine fois. C'était Zami au pasteur Steve avec toute l'autre équipe Frères et Sœurs Christ Capable. À bientôt.